Le réceptif Eliad réceptionne tous les clients sur l'aéroport d'Héraklion. On les accueille. Nous faisons les transferts jusqu'aux hôtels en fonction de ce qu'ils ont acheté. Il y a des transferts en bus, taxi ou en minivan. Notre réceptif s'occupe des clients depuis l'arrivée jusqu'au départ. Des clubs, bien sûr, aussi dans tous les hôtels de séjour, sur toute la Crète. Arcadie, grand lieu de résistance, au fait de résistance devant l'occupant ottoman. Hein, nous sommes dans les grandes épopées de révolte contre l'occupant ottoman. Ça a commencé en 1770 avec Yanis Daskaloyanis à Sfakia, donc dans le sud-ouest de la Crète. Et il y a eu des épopées 1770, 1821 et 1866 a pratiquement sonné le glas, à tel point que enfin la Crète est sortie du joug ottoman en 1913. Moi, je suis directeur commercial, j'encadre toutes les équipes de vente, donc les commerciaux sur le terrain, ainsi que toute notre call center à Aix. Le Mythic Tour, c'est un moment privilégié pour faire découvrir notre savoir-faire à destination, pour montrer aux agents de voyage nos principaux produits, la destination, et leur donner envie et de revenir, et bien sûr, et surtout de conseiller leurs clients. Nous allons ensuite, après la matinée, passer au jeu en pleine mer. Nous allons participer au traditionnel déjeuner du dimanche pascal, l'agneau cuit à la broche. Et puis hier soir, évidemment, le samedi saint, pour ceux qui ont voulu, ont assisté à la messe traditionnelle du samedi soir, qui précède l'annonce de la résurrection du Christ, évidemment, par le peuple en sortant de l'église. Donc ça, ça a eu aussi beaucoup de succès. Donc c'est important pour nous de rappeler, effectivement, que la Pâque en Grèce est très importante. C'est la fête la plus importante de l'année pour les Grecs et les Crétois, évidemment.